Bonjour à tous. Bon, ben, je vais vous faire là maintenant, parce que ça va être la période de faire des vœux. Moi, ce que je fais beaucoup, ce sont des pochettes, des enveloppes que je décore pour mettre les chèques ou les sous pour les étrennes. Voilà. Alors, moi, j'achète mes enveloppes comme ça, par 20, je crois qu'elles sont, chez Bureau Vallée. Elles font, je vais vous dire les dimensions. Elles font 11 sur 22. C'est vrai que pour mettre les billets ou les chèques, on n'est pas obligé de les plier. Voilà, comme ça, ils rentrent en entier. Et rien ne vous empêche de glisser une petite carte pour mettre vos petites doléances dedans, un petit message. Voilà. Alors, dans un premier temps, j'ai pris du papier comme ça, bleu marine, ondulé, pour coller ici. La dimension de ce papier fait 21,5 sur 10,3. Voilà. Que je vais coller là-dessus. Je vais même en enlever un petit bout. Parce que je trouve que l'espace n'est pas régulier tout le tour. Voilà. Allez, je colle. Non, je vais coller avec mon double face. Je ne vais pas coller avec ça. Alors, monsieur le double face, où qu'il est? Je crois que je ne devais plus en avoir parce que je vois qu'il n'est pas là. Et j'ai dû finir mon rouleau. Ah non, il y en a un là. Mais c'est un petit, j'ai pas le gros. Ça fait rien. À prendre celui-là. J'espère que vous y voyez assez clair parce que là aujourd'hui on n'a pas de soleil dehors. Bon, et ben voilà, bien sûr, j'arrive au bout du rouleau. Je suis au bout du rouleau. Tiens. Moi, c'est pas du scotch action, hein. J'aime pas les produits action. Donc je n'achète pas. C'est pas des bons produits. Enfin, pour moi. Vous achetez ce que vous voulez. Voilà. Alors, mon enveloppe, je colle ça dessus. Je vais mettre ce petit bout de papier ici. J'ai coupé ça avec le massicot, mais il faudrait que je change ma lame. Et j'en ai pas en stock. Voilà. Alors, c'est dans ce sens. Je vais coller ça comme ça.
je vais coller celui-là à côté, qui est tout simplement l'envers de ce papier. Alors ce papier, je l'ai, c'est un catalogue de papier 6X, voilà, que j'ai de Noël. Il y a plein de choses dedans. Donc voilà. Je n'ai pris qu'une feuille et sur la même feuille, j'ai fait le recto, le verso. Voilà. Mal collé. En plus, il est pas droit là. Voilà, coller celle-ci. Quelque chose qui ne plaît pas dans l'autre. Je vais la refaire. Et toujours avec mon petit carré de... plastique, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le nom m'échappe. Ça, je vais le décoller parce que ça ne me plaît pas. Je le recollerai après. Oups! Chaque année, je fais une vingtaine de cartes comme ça, d'enveloppes, que je vends dans les marchés de Noël. Voilà. Mais moi, j'ai ma clientèle, donc maintenant, je ne me casse même plus la tête. Je fais mes enveloppes, je sais que je les vends. Voilà. Là-dessus, je vais tamponner avec VersaMark mon bonne année. Je vais d'abord passer mon petit tapis. Ah oui, je voulais me servir de ça pour autre chose. Je vais prendre un autre papier. Notre étiquette. Voilà. Parce que je voulais m'en servir pour quelque chose de ça. Je tamponne mon bonne année. Voilà. Je prends une petite... voilà. Hop. Je verse dessus mes paillettes. J'ai mis de la poudre sur le cadre. Ça, je le pose là-bas. Voilà. Voilà, je vais le découper. Pendant ce temps-là, je vais mettre ça là-dedans.
Et voilà. Voilà, voilà. Bon, alors ça, le découpé, cadre. J'ai pas cherché mon gabarit. Je vais le chercher. Alors moi, je mets mes médailles sur une plaque. Je me souvenais même pas que j'avais ça. Je mets mes dailles sur une plaque comme ça. Et comme ça, je les retrouve. Alors, est-ce que celui-là, il va être assez grand? Celui d'à côté n'est pas assez grand non plus. Je vais chercher un autre. Ben celui-là, il ira très bien. Celui-là, il ira très bien. Hop, je vais prendre celui-là. Je vais mettre celui-ci à sa place parce que je vois qu'il est tombé. Hop. Voilà, je vais découper ça. Je vais découper ça et je reviens. Ça, je le remets là. Alors, j'ai voulu passer plusieurs fois, total, ça c'est filoche. Je vais marquer bonne année ici. J'ai vu que j'avais des choses qui m'intéressaient pour mettre pour la bonne année. Je vais peut-être mettre un petit sapin. Un paquet cadeau, des petites cloches, là il y a déjà les petites boules, les chaussettes et puis la canne à sucre là. Non, je mets pas ça, je mets pas. Déjà ces petites choses là me plaisent. Alors, je vais découper ça. Alors, le sapin en vert, le petit cadeau, il me faudrait, j'ai tout jeté, il me faudrait un papier, ah, je vais chercher. Alors, il me faut faire des petites lignes que l'on ne voit pas. Ben, voyons, où est mon stylo? Là. Je prends un stylo indélébile. Mon paquet cadeau.
Et voilà, je refais le nœud. Et le sapin. Il y a une guirlande là. Voilà. Alors, sur cette guirlande, je vais y mettre les stellas. Coloriser l'étoile. Je fais des petits points pour les boules, pour les lumières. Et je vais y mettre de la neige. En 3D. Je vais laisser sécher ça. Coller mes petites choses ici. J'ai d'autres choses à y mettre. J'aurais pu les sortir avant. Ça, j'ai pas rangé, j'ai pas plié. Je pourrais en mettre un comme ça en plus. Et puis là, je voulais y mettre, voilà, le petit Père Noël. Ça, c'est pas tout le monde qui aime, alors je ne mets pas. Ça, c'est un petit sapin. Un petit renne. Je vais enlever ce qu'il y a derrière.
pour y passer mon cutter. Bon, je sais pas ce qu'il a ce cutter. Chaque fois, il me sort deux lames à la fois. Il me sort toujours deux lames. De la colle. Ça va déborder. Je n'aime pas que ça déborde. Je vais le couper. Le petit crochet qu'il y a là, ça c'est pour l'attacher. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt pour ça. Voilà. Je vais le coller là. Voilà, pompe un peu le surplus de colle. Ça, je vais les mettre comme ça en attendant. Et puis, je vais coller ça. J'aurais pu y mettre un relief, ça. Je vais y mettre un relief avec les scotch relief, les adhésifs relief. Alors je les ai mis où ces adhésifs? Voilà. Un comme ça, un comme ça. Voilà. Ma boule. Celle-là. Et puis je veux mon tapis. Voilà. Ouais, mais finalement, je vais prendre la petite. Voilà. Voilà. Juste pour dire que de le mettre un peu en forme sur les rubans.
Voilà, bon, alors, ça, pareil. Je vais même en mettre deux épaisseurs. Le sapin. Volontairement, je le fais superposer ici pour le gonfler du bas. Voilà. Après, il y a le bonne année. Alors, appuyez ce petit paquet cadeau que je voulais rajouter. Je vais le mettre par-dessus. Ils mettent des trucs derrière, mais ça colle jamais. Voilà, alors ça. Bonne année. Et je vais y mettre autre chose. Où est mon... Là. Alors, je vais y mettre du double face. Celui-là. Comme ça. Et comme ça. C'est quoi ça? Mais je ne vois plus le défaut. Et il y en a dedans. Je vais trouver ma vie. Alors, comme je ne sais pas où c'est, je vais les faire un par un. Et
Alors, c'est en or. Un petit. Hop. Le coffre-fort. Voilà. Et voilà. Tout simple comme ça. Il n'y a plus qu'à glisser son petit message. Et puis, les sous que l'on veut mettre. C'est marrant, je vois des choses et puis après je ne les vois plus. J'ai des visions. Là. Là. Parce que quand ça commence à se soulever, après, ça fait des défauts. Ça s'arrache. Voilà. Ici, on va mettre une petite banderole pour pouvoir marquer le prénom. Là, je vais juste mettre un scotch que l'on enlèvera pour coller l'enveloppe, c'est tout. Parce que ça, ça colle pas. Voilà, comme ça, on va coller la petite enveloppe. Je vais mettre une petite banderole. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme petite banderole? Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Je pourrais utiliser. Parce que suivant ce que c'est un nom simple ou un nom compliqué à allonger. Alors, ce que je vais faire, j'ai un emporte-pièce, je vais faire un emporte-pièce. Voilà. Je vais le faire avec ça. Où ai-je mis mes... Ah, là. Non, c'est pas là, c'est là. Donc il faut que je coupe ça. Toc. C'est pas adhésif, ça en plus. Je sais pas si c'est pas adhésif. Mais il me semblait. Si le prénom à deux particules, hop, on pourra l'écrire comme ça. Voilà. Voilà. Les cartes pour mettre les chèques. Et les chèques, ils rentrent là-dedans. Même l'argent, hein, les billets, ils rentrent facilement. J'ai pas un billet là. Tout rentre, il n'y a pas besoin de plier. Voilà, je vais faire la deuxième. Voilà, vous avez vu comment je faisais. C'est à vous maintenant. C'est vrai que pour les étrennes, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Hein.
plutôt que de mettre dans une petite enveloppe carrée, ordinaire, vous pouvez les mettre là-dedans. Elles sont décorées. Voilà. Allez, bonne chance à vous.